Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau et re-bienvenue sinon. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite playlist musicale, donc des suggestions musicales de ce que j'écoute pour l'automne, présentement ces temps-ci. Et ça va être une playlist à saveur alternative, rock, tout simplement parce que c'est un genre de musique que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. J'avais aussi eu l'idée de faire une playlist un peu plus électro, là, du genre la meilleure playlist de party. Fait que ça serait un genre totalement différent de ce que je fais aujourd'hui. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, sans plus attendre, embarquons dans la playlist d'aujourd'hui! Depuis quelques semaines, j'ai vraiment un trip de Cage the Elephant, thanks à mon père qui m'a fait découvrir ça. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé, probablement là, que je suis pas la seule. Du genre, il y a des chansons que t'aimes beaucoup, que t'entends à la radio, que t'entends dans les films, à la télé, mais que tu sais comme pas c'est qui l'artiste, que t'as jamais pris le temps d'aller chercher, mais quand tu les entends, c'est bon, tu sais. C'est exactement ça qui m'est arrivé avec Cage the Elephant. J'ai réalisé, quand j'ai découvert ce groupe récemment, que je connaissais comme la moitié de leurs chansons puis que c'était fucking bon, mais que j'avais juste jamais su que c'était eux. Fait que je me suis mis à acheter de leurs chansons puis à en écouter. Voilà, c'est vraiment bon. Je vais vous mettre quelques extraits directement de mon iPhone. Désolée si le son n'est pas parfait. Puis désolée aussi si les extraits sont courts, bien évidemment, c'est que j'ai pas les droits de toutes ces chansons. Fait que si vous voulez en entendre plus, allez les écouter par vous-même. Ensuite, il y a Weezer récemment qui est sorti avec des nouvelles tunes. Puis c'est toujours bon, du bon vieux Weezer. Fait que pourquoi pas, il y a quelques chansons sur l'album que j'aime bien, là, qu'on entend un petit peu à la radio aussi. Je vous fais jouer ça. Prochaine artiste de ma playlist alternative, il s'agit de Fantogram. Bien honnêtement, je connaissais pas du tout ce groupe-là, mais j'ai entendu la chanson précise que je vais vous faire jouer tout à l'heure à la radio. Puis j'étais comme, c'est quoi cette chanson-là? C'est donc ben bon. Je pense que je l'ai shazamée, genre, ou qu'après ça, j'ai essayé de chercher sur Google pour la trouver. Et j'ai réussi. La voici donc, il s'agit de You Don't Get Me High Anymore, de Fantogram. Ensuite, j'aime beaucoup le groupe de Pretty Reckless. Je ne sais pas si vous les connaissez. La chanteuse de ce groupe qui se nomme Taylor Momsen est aussi une actrice à ses heures. C'est elle qui jouait Jenny dans Gossip Girl pour les real fans. Moi, c'est dans ce temps-là, quand j'étais ado, que j'écoutais Gossip Girl, que j'ai découvert son groupe, que j'ai découvert qu'elle chantait aussi en plus d'être actrice. Puis sérieux, ça rock vraiment son groupe, là. Elle a vraiment une voix particulière, un style particulier, mais moi j'aime beaucoup ça. Puis tiré de leur plus récent album qui était en 2016, je crois, je vous fais entendre quelques extraits de mes chansons préférées. Mention spéciale à la chanson Mad Love, qui a un début, ok? Le début de la chanson fait référence à une autre chanson d'un groupe très populaire. Moi, ça me fait très sourire parce que c'est un de mes groupes favoris, fait que je l'ai tout de suite reconnu la première fois que j'ai écouté la chanson. Si vous arrivez à reconnaître de quelle chanson je parle, écrivez-le moi dans les commentaires, vous allez être des vrais. Bam! C'est quoi? Ensuite, je sais pas si vous connaissez le groupe Royal Blood. Yes, j'ai réussi à le dire pas si pire malgré mon accent de francophone québécoise. Royal Blood. En tout cas, bref. Leur chanson Figure It Out, je pense que c'est une des plus connues. Moi, c'est celle-là que j'ai découverte en premier. Je l'adore. Je pense que je me tente jamais d'écouter cette chanson-là. Voilà, si vous la connaissez pas, go.
Qu'attendez-vous? Ensuite, j'ai aussi découvert le groupe M83 cet été en allant voir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Montréal. J'ai appris en allant voir ce spectacle-là que c'est le groupe M83 qui était derrière la musique de Volta. Personnellement, j'adore la musique du Cirque du Soleil, je trouve ça magnifique. Donc quand j'ai su que ce groupe-là avait participé au Cirque du Soleil, puis qu'il faisait d'autres tunes aussi dans la vie, qu'il faisait pas qu'à travailler avec le cirque, je me suis dit pourquoi pas aller écouter ce qu'ils font. Puis j'ai découvert que certaines de leurs chansons que je connaissais déjà en fait, que j'avais déjà entendues encore une fois, dont Midnight City que vous avez fort probablement entendu quelque part sans vraiment le savoir vous autres aussi, voilà. Il y a tellement de musique que j'aime, mais je veux pas que la liste soit interminable, fait que j'essaie de choisir une dernière chanson pour vous. Si je vous dis 30 Seconds to Mars ou son chanteur Jared Leto, j'imagine que ça vous est pas inconnu là, maintenant qu'il est très 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 connu, qu'il a joué le Joker et tout ça. Bref, depuis longtemps je suis une fan d'eux, quand j'étais une toute jeune ado emo avec le toupette noir. J'aimais bien ce groupe-là et récemment ils ont sorti une nouvelle chanson que j'aime beaucoup encore une fois et qui se nomme Walk on Water, donc voilà, je vous mets un petit extrait comme d'hab. C'est tout pour cette petite vidéo de playlist musicale. J'aurais pu continuer encore longtemps, mais je vais pas prendre trop de votre temps. Si c'est un principe qui vous plaît, si vous aimeriez en revoir d'autres, que ce soit une suite à celle-ci ou bien une plus électro, la playlist de party, comme je disais au début, ça pourrait être bien cool aussi. Moi, j'aimerais ça, mais vous me laisserez savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez voir aussi. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude, pour me le démontrer, à vous abonner si c'est pas déjà fait. My God, qu'attendez-vous? Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!